Chers frères, chers amis d'Haïti et de l'étranger, shalom. Je dis à moi qui a un grand plaisir pour moi répondre à la promesse que m'a fait non. Chose promise, chose due. Je dis à nous pour gagner l'heureux privilège pour nous en première interview que me te promet non. Mais avant ça, qui te m'incline tête moi pour m'adresser deux mots à mon Dieu. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, moi exalte non Seigneur, moi nous merci. Merci pour toute merveille que vous faites dans la vie. Merci Seigneur pour ce que vous couvrim. Merci papa. Le moment ça moi vous mettre pays d'Haïti la main au Seigneur que vous même multipliez grâce sur le pays ça Seigneur. Pays ça qu'on remet en pile là Seigneur. Que au travail que au couvri pays ça pour que tout ça au besoin fait ou fait. Moi béni non pour ça Seigneur Dieu. Et mon ko décider pour qui porter responsabilité, pour qui prend responsabilité ça, m'a demandé au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour fortifier lui et instruire lui selon volonté. C'est comme ça que je prie au Papa, avec pardon péché moi, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Oui, chers amis, chose promise, chose due, aujourd'hui, nous allons regarder. En première vidéo que moi fait avec l'un des potentiels rois d'Haïti en la personne de monsieur Esiphas l'éveillé. M'espérer que n'a prêté attentif pour nous suivre vidéo a et que ça va faire nous un pile plaisir. Donc avec vous monsieur Et si fasse l'éveillé, bonne écoute. À tout à l'heure. Bonsoir, monsieur l'éveillé. Bonsoir, madame Lucin, comment vous? Moi bien, merci. Est-ce qu'on est capable de dire non? Qui est-ce, monsieur, et si fasse l'éveillé? Oui, est-ce que. Et si fasse. Prénom, moi, ça veut dire signature, moi, et l'éveillé. Moi, c'est mon port de terre, moi, c'est une section rurale qui veut des maraudières. Et c'est là, moi, j'ai fait études primaires, moi, après, ça, moi, j'ai rentré pour au prince, moi, j'ai fait études secondaires, moi. Et après, études secondaires, moi, j'ai rentré dans la faculté d'agronomie, et l'université d'État. Et là, que j'ai passé 5 ans, moi, j'ai étudié agronomie. Et après ça, moi-même, moi, j'ai travaillé deux fois dans l'institution internationale qui est l'Agro-Action allemande. Moi, j'ai travaillé comme coordinateur de projet. Et en l'autre fois encore, moi, j'ai travaillé comme responsable d'entretien des infrastructures rurales dans un projet que M. Jean-Aubert estimé qui a dirigé. Et après ça, moi, et finalement, l'éternel dirige pour que je fasse contribution dans l'association qui est ADOU, et M. Joannès Selima qui est créé. Et finalement, l'éternel te prend moi de mettre moi à l'écart, même j'ai de mettre Moïse à l'écart pour te former moi, pour que je puisse confier moi mission, que je puisse confier moi, et que je puisse moi, pour me diriger le pays d'Haïti. En gros, c'est ça. Merci. Mais est-ce que vous êtes capable de dire nous comment bon Dieu fait, prend où et mettez où à l'écart? Est-ce que c'est par révélation ou du moins est-ce que c'est un monde qui dit où que bon Dieu a mettez où à l'écart? Il faut brièvement expliquer nous ça, s'il vous plaît. Ok, très bien. Alors, mettez à l'écart, là, c'est par rapport à l'activité professionnelle, moi, et surtout à l'activité de l'église, moi. Dans l'église, moi, bon Dieu, c'est toujours à montrer que c'est moi-même enragé, parce que moi-même, j'étais directeur de chant, moi, j'étais maestro dans l'église, moi, l'église Adventiste Auditorium,
de la Bible de Chanmas. Mais peut-être toujours montrer que je dormi, ou je suis dans l'église, m'a chanté, pourtant c'est dans l'âge, m'a chanté pour l'éternel. Mais je ne comprends pas au point que, et madame, comme tes premiers mariés qui s'est unisé, mais il était dit qu'on a la fait ou mettez dehors l'église, et le pape quitter ou quitter, mais le pape l'a fait ou pas quitter me chanter encore. Et donc, bon, je ne peux pas comprendre ça parce que je connais, moi-même, son nom qui était très religieux, qui était très attaché à l'église, je ne connais pas la jambe qui était l'église, moi, je veux. Mais pourtant, toute ça, toute bagaille était faite comme ça, et l'église a fini de rejeter avec, à cause de parole, ça, on m'a parlé, à que bon Dieu régler. Donc, et surtout, et premier madame, dans l'Ibaï, en pile parole, tout pour être capable de faire au métier de l'église, et ça arrive, et c'est vrai, et effectivement, et dans la réalité, je me souviens de chanter dans tout trajet parce que bon Dieu était tout laissé comme ça, bon Dieu faut même faire comme ça, bon Dieu montrer me chanter tout. Parce qu'en réalité, moi-même, c'est pas un monde qui était à l'autre côté, qui a appris à chanter, c'est bon Dieu même qui montrait me chanter. Et ça, c'est pour l'église. Mais pour l'activité et professionnelle, bon Dieu était toujours montré que il prend dans mon travail, mais il était toujours montré dans le je parle d'une bon, période difficile que je parle qu'on est, mais je ne pas déjà me tromper sa valeur, parce qu'en certain moment du temps, je ne pas trop qu'on tout était prêt pour rêve. Et puis effectivement, je me suis trouvé en difficulté dans la dernière fois de travail et dans la direction allemande. Et puis, jusqu'à ce que le contrat me finit, je ne peux pas renouveler le contrat encore, parce que c'est bon Dieu même qui était à ce que je mettais mal à l'écart de toute activité pour être capable de prendre temps pour le former. Parce que faut me dire, c'est dans le moment, et ça, que je ne viens pas de travail, c'est le moment, ça, bon Dieu, pour moi, en pile gros révélation, soumission, que je ne pas comprendre avant, bon Dieu parlait avec moi presque chaque jour, la journée qu'on a nuit, pour que je dis, je suis capable, moi, que je suis capable même répondre à l'invitation, ça, que je moi. Ok, merci. Mais qui mission? Qui mission que bon Dieu confie au? Alors, juste avant de la mission que bon Dieu confie, non, chaque peuple, chaque fois on peut trouver une situation extrêmement délicate, bon Dieu toujours suscite un monde pour aider le peuple à dans sa vie. À moins que bon Dieu veuille détruire comme ça. C'est le cas d'Israël. Israël était dans trouvé un moment difficile, bon Dieu était suscité Moïse. Et bien, je dis à bon Dieu, tu juges que le peuple haïtien va s'éniser trop. Et bien, bon Dieu décidé, il faut les libérer, le peuple haïtien, un, en bas main bourgeoisie, deux, en bas main Satan, trois, en bas main dirigeant, quatre, en bas main américain. Donc, bon Dieu choisit, même j'ai choisi avec Moïse, même j'ai choisi Moïse, pour libérer les païtiens en bas main, monde ça, dans l'esclavage. Et moins de préciser pour que, bon Dieu révèle que Haïti, c'est deuxième Israël, mais en réalité, Haïti, c'est vrai Israël, là. Donc, deuxième, non seulement pour mission, pour première partie, pour me libérer le peuple, là, en bas main, mais en bas main, toutes les chances à eux, mais surtout, bon Dieu demande pour me diriger, et le peuple haïtien. Et troisième bagage, bon Dieu dit, pour, avec moi-même, il prend le fait, Haïti étonner le monde. Haïti parle qu'on ait une gloire que aucune nation sur la terre pas connaît déjà. Est-ce que gen moun qui capable témoigner le fait que bon Dieu choisit ou? Et bon Dieu choisit ou? À quel titre? Et mais forme dit où moi-même depuis le petit monde et du gain de révélation, papa me t'a fait pour moi, papa me t'a connu, mais moi-même il t'a caché mieux. Et il y a une révélation que j'ai papa me t'a fait, j'ai fait 10 ans, l'éternel t'a montré papa, on manchette, il gagne, il casse, il fait tout, il y a un sept, on petit bâton, il mettait le même, non, il mettait le même. Et dit oui, maintenant, c'est le petit bâton qui connaît le même, waouh, mais pas de monde qui t'a pas révélation, valeur, et dans la nuit, et bon Dieu, papa m'a fait révélation dans deux, mais si tu veux, effectivement, papa m'a comment chèque, les casser dans même, les casser dans forme, on sait vraiment bien chèque. Donc, ça, c'est une. Mais pour le moment, et non seulement bon Dieu, bon, mais en pile révélation que d'abord, que je ne peux pas comprendre, parce que les bon Dieu, qu'on a révélé que c'est moi-même qui pourrais remplacer David sous trône. Même t'es plus comprendre, c'est dans quatre missions, bon Dieu, pour aller moi, je vais gagner pour m'utiliser, et somme David écrit, en plus, c'est ça, m'était plus qu'on est, même pas plus mettre dans tête, moi, c'était véritablement, c'est roi, bon Dieu, d'après, mais en réalité, si bon Dieu dit, c'est moi-même qui pourrais remplacer, et roi David, surtout, dans la forme de guetta, ouais, bon Dieu, pour aller faire de moi-même en Salomon, pour que me lever tête pays d'Haïti, pour me faire Haïti connaître la droite, même genre, Salomon, t'es fait Israël connaître la droite, mais en réalité, je vais pas comprendre vos bagages. Bon Dieu, bon, en pile, vos révélations, comme par exemple, bon Dieu, t'es montré que tout gros pied ma poule dans le pays d'Haïti vient camper, vient coucher plat à tête des hommes. Et puis ma poule, ça vous dit Aristide Nayo, Matéli Nayo, Jovenel Nayo,
qui Nicolas nan yo, apet nan yo, boulot nan yo, tout le monde sa yo, donc tout ça c'était élévation que l'te, l'Éternel te montre mon l'autre fois comme t'es trouvé dans le pays, ma route pour de paix, m'te son tête monde nan levé, et puis m'a regardé tout le pays d'Haïti, après ça tout le monde dans le pays d'Haïti couché, et écrasé devant. Et l'Éternel t'a toujours montré tout, l'élevé tellement haut, moi m'a regardé le globe terrestre là en bas. M'a regardé le monde qui a marché sous lui, sous la tête, comme un paquet de tifou, mais tout petit. Donc, ça, c'est des bagages que, bon Dieu, t'es révélé. Mais pour, de façon plus succincte, actuellement, bon Dieu, t'es révélé une dame qui est Sylvanie, qui sait que le bras le fait avec, et c'est moi-même qui bras le mettre placé dans cet pays comme moi. Bon Dieu, révélé en pile l'autre monde encore, et dans le pays d'Haïti, qui sait le bras le fait de moi. Mais, il y a un monde qui te comprend, mais je fais rêve, en plein, il y a ça qui partage avec moi, il y a ça qui va même partager avec moi. Mais, pour son façon, comme tout que, révélation, bon Dieu, bah, conseil dans moi-même, il y a en pile, et au fur et à mesure, il y a besoin de nous contacter de monde qui a besoin de témoigner. Ok, merci. Mais est-ce que vous-même vous sentiez prêt pour mission ça, pour venir devenir roi d'Haïti? Et bon Dieu, le monde pas jamais gagné, mon bon Dieu, il est pour sentir prêt. Donc ça, sentiment, ça n'a pas vraiment gagné. Et c'est peut-être une deuxième fois qu'on a prévu, je me dis, moi-même si mon côté me décale caché, je ne vais pas le cacher. Mais comme tout côté me cacher, tout côté me va le cacher, et pas gagné, bon Dieu, j'étais là toujours joindre. Et je n'ai pas gagné, pas ajouté pour me dire que bon Dieu mettez dans tête mission, mais bon Dieu dis-moi, révélez-moi que le préparer en pile monde qui s'y est là, qui n'en pays, qui est en dehors pays, qui est à l'étranger, qui que tout place mettez ensemble pour accomplir mission par. Et on n'y a pas empêché, ou même si on a eu, parce que le travail qu'on fait, il y a contribué dans l'accomplissement mission. Donc, en fait. C'est tout ça, bagaille, et au fur et à mesure, nous prenons compte que bon Dieu a donné plus de révélations précises. Et puis tout, bon Dieu a mis des sentiments ça dans nous que nous prêts, mais forme de tout. Bon Dieu, plusieurs fois l'Éternel vient chercher, il vient avec gros lumière, il dit de veiller, ranger tout à faire parce que moi je viens chercher. Et puis pendant ma prochaine affaire, moi je vais y aller, parce que certainement il y a toujours avant qui pour faire avant de l'arrivée. Mais depuis l'Éternel dit, ou prêt, qu'on s'en trouve pas prêt, c'est pour t'être au bali, parce que véritablement qu'a préparé là, dit l'Éternel des amis. C'est lui-même qui connaît l'air prêt, aller ou pas prêt. Merci, monsieur l'éveillé. Et nous t'avons demandé si vous avez un roi, comment règne en pralier? Et est-ce que vous avez gardé la même constitution que nous avons là? Est-ce que vous avez conservé le même drapeau là, bleu et rouge? Là? Et si bon Dieu t'a voué au monde, ou t'as vu une marche sous même à monde qui a été marché là, c'est en confusion. Total que le tapis. Système ça ou elle a la crasé complètement. D'ailleurs, c'est un royaume qui va l'établir en Haïti. C'est un royaume qui va l'établir. Donc, côté, même monde qui pipi là, doit connaître le bonheur. Et c'est ça, bon Dieu m'a dit. Bon Dieu dit, l'irélé pour que nous tous haïtiens connaissent le bonheur. C'est une obligation que l'y est. Parlant de constitution, pas qu'il y a l'autre loi qui prend la constitution pays d'Haïti, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements, nous connaissons que les régis surtout, les pas élargi au point que pour gagner toute qualité de loi là-dedans, nous connaissons ces 10 commandements, c'est 10 commandements, nous connaissons ces constitutions par l'Éternel, c'est un bagage tout à fait spirituel, mais être roi dans un pays, c'est un poste politique. Les politiques, les économiques, les sociales. Donc, est-ce que vous êtes capable de mettre ça seulement dans une constitution? Est-ce que. Qui genre de pouvoir vous pouvez gagner d'ailleurs? Est-ce que. Excusez-moi. Est-ce que pouvoir là, c'est un pouvoir autocratique, monarchique ou bien populaire? Quel type de pouvoir vous pouvez gagner? Si qu'on va l'utiliser constitution et les 10 commandements comme constitution. C'est une monarchie qui pourrait gagner en Haïti. Et c'est une dynastie qui pourrait diriger le pays d'Haïti. Et c'est choix ça, bon Dieu, déjà fait. Et il y en a pas de map, dis-nous, map, dis-nous,
même genre en Israël, il y a plusieurs lois. Haïti, en plus, non, qui commande pas la constitution, hein, mais il y a deux autres lois qui régissent le fonctionnement civil du peuple. Et pas oublier, la Bible même fait provision pour que tout peuple vive, que qu'on ait bonheur, et puis qu'il y ait appliqué principe biblique. Donc, ça dit principe qui peut régir le fonctionnement royaume, ça, c'est exactement le principe ça nous joigne dans la Bible. Non, 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 non. Et loi qui régit le fonctionnement du peuple du point de vue civil et loi morale qui est dit commandement. Et il y a une bagaille que nous devons comprendre, nous devons connaître tout. Chaque fois fait en Haïti, à partir de ces premières fois, il va le faire sur la terre. C'est base établissement royaume, bon Dieu. C'est bagaille ça, Daniel t'a annoncé, il t'a dit, dans Daniel 2, verset 44, il t'a dit, et royaume n'a pas établi sans le secours d'aucune, mais il fait justement ça. C'est vrai, moi-même, je ne pense pas, ni comme, ni zam, ni blanc, qui peut permettre de travailler sa fête. C'est bon Dieu même, par toute puissance, qui pourrait faire sa fête. Bref, c'est royaume, bon Dieu, qui pourrait l'établir en Haïti. Mais c'est bagaille ça, mon Dieu, pas jamais, je comprends, pas de monde qui t'a jamais comprendre, si c'est Haïti, on bagaille, comme ça, t'es arrivé. Et mais c'est pour ça, Haïti t'es souffri. C'est pour ça, tout, c'est le peuple haïtien qui te prend indépendance de par propre force pâle. L'homme dit propre force pâle, c'est bon Dieu qui te paye à peuple haïtien indépendance. Pas. Parce que, par exemple, on entend, non. Il y a un peuple qui t'est dans l'esclavage. Il n'y a pas rien, t'es capable de faire pour te sortir dans l'esclavage. Et dans l'esclavage, féroce, ça. Mais c'est bon Dieu qui t'est libéré, c'était un, c'était un gage de vraie libération qui peut aller gagner aujourd'hui. Parce que libération, ça, non seulement les physiques, mais surtout les mystiques, les spirituels. Parce qu'il faut un pays d'Haïti s'en libérer pour avoir un mot établi pour que l'homme capable de connaître vraie liberté. Et c'est ça qu'on aurait. En plus, le monde qui est toujours dit, Haïti c'est maman liberté, Haïti c'est la caille. Oui, Haïti c'est maman liberté, et surtout Haïti c'est la caille, l'humanité. C'est la petite bon Dieu qui pour le venir, pour le venir connaître bonheur, pour le venir rassembler, pour que le venir, et surtout pour que il y a le prêché, vrai, l'évangile dernier temps, à reste montant pour que petit bon Dieu soit capable d'entrer au bercail. Monsieur l'éveillé, puisque vous parlez de dynastie, nous t'aimons dire combien de temps réunion a gagné et qui monde a succédé après vous. Et royaume millénaire, donc déjà la Bible t'a pas annoncé à ces jeunes qui vont l'établir en Haïti. Et après royaume millénaire, c'est le royaume éternel, côté nous parlons de bon Dieu face à face. Pas qu'on l'autre monde, pas qu'on l'autre dynastie qui va remplacer la dynastie des Élia, ni éternel. Non, qui monde qui a remplacé le ou même ou pas capable encore, parce que ou pas éternel. Mais, et Mabdou, dans la génération, dans la génération, le monde qui a vécu aujourd'hui, il y a un pile là qui va passer par la mort. C'est ça que fait toujours parler de fin des temps. Fin des temps, c'est qui ça les fils? Monde ça à côté Satan, t'as pris ni là. Monde ça à côté blanc, t'as pris ni là. Monde ça a fini. C'est petit bon Dieu qui peut aller régner sous la terre. Et petit bon Dieu, c'est les Noirs. Petit bon Dieu, c'est véritablement les Haïtiens. Est-ce que ça t'a dit que ou pas Jean mourit? Ou a toujours été, ou a toujours régné sous pays a jusqu'à ce que royaume bon Dieu a vienne établi. Est-ce que c'est ça? Oui, pas oui, mon ça groupe mon ça pas bien pour passer par la mort encore. Non, pas parler de groupe mon, excusez, pas parler de groupe mon. Me parler de vous même particulièrement. Non, moi même l'Éternel il veut pas que on passer par la mort. Cela veut dire que ou a régné jusqu'à ce que et bon Dieu face à face. Jusqu'à ce que vous ayez bon Dieu face à face. Oui, oui. Ça veut dire que vous n'avez pas mouru. Non, non. Mais vous parlez de royaume millénaire. Mais royaume millénaire, eh bien d'accord, donc pas de monde qui a succédé, c'est ou même seul qui a régné jusqu'à ce que le royaume éternel l'a établi, c'est ça. Justement, c'est ça qui fait tout, c'est ça qui fait tout, ou c'est une famille que bon Dieu mettait dans cette royaume. Ça veut dire famille ça, avec pour partager certaines responsabilités de concert avec tout le monde bon Dieu t'a formé, j'aime ce Dieu là, et dans le pays d'Haïti et à l'étranger pour que vienne prendre responsabilité ça. Mais tout, moi je veux dire, c'est pas seul, non seulement pour les Haïtiens, mais pour les monde, l'autre nation, selon volonté bon Dieu, qui rentrait là-dedans. Parce que son merveille qui peut gagner.
Et au point que l'Éternel révèle que il y a un monde qui a ressuscité, qui a vécu vivre dans le royaume. Ça. Qui a pas rien qui dit, même à Potio, disciple, il n'y a pas rien qui dit, c'est pas dans le pays, l'Éternel caché en côté en attendant le royaume établi. Bon, je ferme mes parenthèses parce que ça, je n'ai pas de précision sur lui. Ok, d'accord. Mais ce gouvernement là, comment ce royaume là, comment pays a rallié? Expliquez pour nous comment pays a rallié en termes de gestion. Est-ce que vous avez gagné parlement? Expliquez-moi comment ça a rallié. Comment vous avez gouverné? Est-ce que vous avez gagné votre monde avec vous ou bien pas connaît? Expliquez-moi. Non, m'a gagné l'autre monde après moi. C'est bon Dieu, c'est du monde dans chaque coin par eux. Dieu dans chaque coin par eux. Bon Dieu, formé du monde pour intégrer dans la mission. Donc, il y a de précision que m'a pas kabao. Mais celle, ça m'a dit, bon Dieu, tiens à ce que peuple ça, il connaît le bon au plus haut niveau. Et en plus, pas de question parlement, pas de question. Donc, bon Dieu, c'est pour ça. Soit des gens ont le pouvoir fini dans mais on c'est comme ça même, bon Dieu décide de créer l'institution, pas de parlement encore. Et la plus fonctionner sous modèle où tu es Moïse, là, non, comme Moïse, là. Yon bon Dieu, yon roi, yon peuple. En sorte que, volonté bon Dieu, total et peuple après connaît bonheur au plus haut niveau. Et bon Dieu révélé que pays États-Unis pas comparable à sale place de Haïti. C'est ça que dit il va transformer Haïti qui fait un désert comme un jardin d'Éden. Et bon Dieu dit il va élever monde que monde pas de valeur qui fait lever non pas que le transformer comme un jardin d'Éden. Mais et comment relation va lier avec international là? Bonjour. Ma technique ou bien pour comprendre question, pour comprendre question ça. Et sans Haïti, pas aucune nation sous la terre qui existait. Ça, qui était dans le plan bon Dieu, et c'est réactivé pour parole, ça a accompli. Donc, pas oublier, bon Dieu t'a créé la terre, il t'a dit Adam pour te dominer. Mais Adam t'a fait un erreur, Satan t'a pris domination en amène. Mais qu'on a dit que Satan prend une domination, non, mais Satan te fait sale sous la terre. Bon Dieu récupéré pour voir que Satan te prend, non, mais Adam limité le soulevé. C'est ça que fait bon Dieu, mais deux branches pouvoir sous moi. Pouvoir politique et pouvoir spirituel. Au plus haut niveau, sous la terre, il y a sous moi. Bon Dieu mettez déjà. En sorte que ça Haïti qui t'a fait, quel que soit point sous la terre, c'est lui-même qui a fait. Parce que c'est Haïti qui. Bon Dieu dit, mais remette-moi la paix avec toute richesse, toute bagaille là-dedans. Donc, quel que soit pays sous la terre, quelle que soit nation sous la terre, il n'y a pas qu'à faire ça au lieu, il a fait ça. Bon Dieu, je l'ai offert et volonté, bon Dieu, il peut passer par moi, bon Dieu, choisir, mon nom qui est l'éveillé que l'idée. Donc, relation interne avec l'autre pays, il peut fonctionner ça, bon Dieu dit, il peut fonctionner ça, ou à bon Dieu choisir à dire. Et j'en me dis là, même jour où t'es Amérique était fait salvé sous la terre, et mais Haïti peut être salvé sous la terre, mais c'est pas salvé dans un mauvais sens, mais c'est dans le sens pour assurer. Pour le tout peuple sous la terre. C'est ça que justement la Bible dit que la guerre est millénaire, ça son millénaire de paix que le bralier. L'homme pral connaît la paix sous la terre. Chers amis, m'espérez que nous sommes satisfaits de première partie interview. Hein? Ça, c'est cette roquette-là, Charles Adeye. Donc, m'espérez que nous avons été branchés. Pour être capable de suivre la deuxième partie interview qui est plus intéressante que la première partie, bien sûr. Et m'espérer que vous avez connecté avec moi. Vous qui peut abonner, dégager nos abonnés. Vous êtes capable de connaître toute information qui gagne sous tout potentiel roi, potentiel président, sous toute prophétie que vous faites sur Haïti. Merci parce que vous avez regardé la vidéo. Je vous demande pour partager, liker et surtout commenter. S'il vous plaît, pas de commentaires désobligeants. Merci, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. J'aime Haïti. Bye bye.